Dans le fond, nous, on vient de la prairie, puis là, ben, on est rendu à Baie-Comeau. C'est ça, on tripe vraiment sur le plein air, puis on s'est dit, ben, tu sais, on est des filles qui voulaient vraiment voyager après son l'air, puis sauf qu'on voulait rester aux études, fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas voyager au Québec. Vu que le cégep est plus petit, moi, je trouvais ça vraiment le fun parce que je me sentais proche de mes profs. Après la deuxième semaine, ils savaient mon nom, là. Tu sais, c'est le fun, tu rentres dans le cours, puis tu te sens proche de, t'sais, de tout le monde, là. C'est des petits groupes, puis, tu sais, les profs, ils ont envie de te connaître. Même aller voir aussi des expositions, puis des spectacles. Puis ce qui est le fun à Baie-Comeau, c'est que c'est vraiment moins cher que dans notre coin. Tu sais, je pense que c'est à moitié prix pour les étudiants en plus, fait que... Je pense qu'il faut pas avoir peur, puis faut pas, comme, se stresser pour rien, parce que... Tu sais, des fois, on a l'impression que la région, c'est vraiment différent, mais tu sais, on est encore au Québec, puis c'est la même chose, là. Je veux dire, il n'y a rien vraiment de stressant, puis tu sais, les inquiétudes par rapport au cégep, c'est les mêmes peu importe où tu vas aller. Fait que je pense que si tu viens ici, la seule chose, c'est qu'il faut que tu aimes le plein air. Puis nous, ben, c'est exactement ça qu'on voulait, tu sais, changer de mode de vie avec la ville, parce que je trouve que la Côte-Nord, c'est complètement différent, puis on n'a jamais été vraiment déçus, là. C'est varié comme programme, là. Comme on a dit tantôt, on peut toucher à vraiment plusieurs domaines. Puis c'est le fun parce que, tu sais, on aime ça se promener dans le bois, mais maintenant, tu sais, on comprend aussi la forêt puis comment ça marche. Puis... Bien, c'est vraiment différent qu'en ville, là. Tu sais, je veux dire, on se lève le matin puis on a la vue sur l'eau. Fait que quand il fait beau, c'est sûr que, tu sais, on va à la plage ou... Tu sais, dans la forêt ici, il y a plein de sentiers partout. Fait qu'on explore les sentiers. Autre chose que la ville, puis, tu sais, les gens stressés puis tout ça. Comme j'ai grandi sur une ferme, la ville, ça m'intéressait pas tant. Baie-Comeau, c'est un environnement... J'ai regardé beaucoup sur le site, beaucoup d'activités à l'extérieur, beaucoup de monde différent, puis ça m'intéressait beaucoup, la Côte-Nord. Le cégep de Baie-Comeau offre un programme en foresterie vraiment très personnalisé. Ça fait un enseignement qui est riche, qui est complet. On est tout le temps ouvert, puis on est en mesure de pouvoir répondre directement à leurs questionnements quand ils en ont. Ce que j'aime, c'est la proximité avec les professeurs. J'aime aussi la diversité de des cours qu'on a. On touche à beaucoup de trucs par rapport à la forêt. On a du développement durable, on a de l'exploitation forestière, on a la plantation. Puis ce qui est fun aussi, c'est que tu peux aller n'importe où qu'à travers du Québec. Ouais. Tu sais que tu vas avoir une job quelque part, puis tu n'as pas à stresser pour ça. Le programme qui est unique au Québec offrait vraiment un éventail incroyable au niveau de la protection, des aménagements, tout ce qui a rapport avec la faune, la flore, dans un souci de développement durable, responsable. Ça me sortait de ma zone de confort. Moi, je suis quelqu'un qui vient de Laval, donc c'est assez loin de Baie-Comeau. Puis justement, je voulais sortir de ma petite ville puis voir un peu du pays. C'est un programme unique, là. Moi, je suis un passionné de chasse-pêche puis de dehors, là. Tout ce qui est nature, là, c'est vraiment moi. On se fait des amis vraiment extraordinaires, je veux dire. On est vraiment une grosse équipe, on travaille beaucoup en équipe aussi pour les projets. On s'entraide dans tous nos travaux aussi, on fait des sorties ensemble, on va à la pêche, on va à la chasse, on fait du plein air ensemble, donc on se motive. En plus, il y a une belle proximité avec les professeurs. J'ai aussi eu une espèce de mentor, si on peut dire, qui a fait le programme avant moi, puis qui m'avait suggéré de le faire. Donc j'ai essayé, puis je tombe en amour avec la place. Le volet plein air aussi nous permet de découvrir une nouvelle sorte d'intervention qu'on a l'habitude de voir en milieu fermé. Dans un camping d'hiver en forêt, les choses changent. On peut faire vibrer les cordes autrement chez nos usagers. Parfois, ils n'ont jamais connu d'activité comme celle-là, jamais vraiment fait de sortie ou eu l'indépendance pour le faire. Fait que c'est vraiment beau de pouvoir aider les gens à se développer de ce sens-là, puis moi-même à m'aider à me développer en tant qu'intervenante, en tant que personne. Je dirais à un ami qui désire s'inscrire au programme de ne pas hésiter et de s'inscrire, de foncer. À Baie-Comeau, on est vraiment chanceux d'avoir un programme comme ça. Les gens sont accueillants, les professeurs sont à l'écoute. Moi, je l'ai fait, puis je regrette vraiment pas mon choix.